c'était important à relever. Alors, cela me fait dire une chose. C'est une anecdote, mais faut que, sinon je vais l'oublier, je vais la décliner tout de suite. Il y a 2 ou 3 ans, Ashkhet Larbi a publié des textes d'anciens acteurs de 80, et il avait donné la parole à certaines autorités qui ont joué un rôle à l'époque. Donc, il avait donné la parole au ministre de l'époque, et Sidi Saïd, qui était Wali. Alors, moi, j'étais surpris quand j'ai lu les témoignages des autorités. Le Wali Tijouzou, Sidi Saïd, était le représentant de l'État. Quand les décisions, on l'appelait Alger, l'autorité l'appelait Alger en 80. Il l'appelait pour les réunions concernant le mouvement 80. Et quand une décision allait être prise, on le faisait sortir. Il ne participe pas à la prise de décision. Il y avait le conseil de sécurité, il y avait le FNL, l'armée, le ministère de l'Intérieur, et puis on le faisait sortir. J'avoue que, à ce jour, c'est une question qui m'a toujours tarabusté. Pourquoi un représentant de l'État, ou un élu sur moi, qui est un véritable proconsul dans le contexte algérien, ne pouvait pas participer aux décisions concernant. Bon, évidemment, j'ai mes hypothèses. Hein. Aussi Kabyle soit-il, il ne pouvait pas participer aux décisions concernant la Kabylie. Ça, c'est juste une parenthèse. Je risquais d'oublier. Troisième chose. Importante, troisième événement, troisième fait, troisième conséquence, c'est la création de la Ligue des droits de l'homme. Je crois qu'on doit à l'histoire quand même cette création, la Ligue des droits de l'homme, la première, hein, celle qu'on dit d'aller à Abdoulom parce qu'il était le premier président, elle a été créée par les Gabélistes. Je me souviens que beaucoup d'Algériens que nous avons contactés avaient refusé. On doit le dire. Elle a été portée à bout de bras par les bébélistes. Du reste, ils l'ont payé cher, puisque tout le monde a été arrêté, traduit devant la cour de chef d'État. Ceci pour dire tout simplement que jusque dans les années 80, cette question amazigh n'était pas encore passé comme droit de l'homme, finalement. Comme droit de l'homme dans l'opinion algérienne, on était toujours suspect un petit peu, reliquat de ce qui s'est passé des années 40. Hein. Ça n'a pas disparu. Tout ce qui venait, y compris les droits de l'homme, tout ce qui venait de. Bon, mais des berbéristes étaient suspects et nous étions résolus à la créer avec entre, j'allais dire entre nous la seule dame d'un jour d'un an je me le reproche souvent qui est une ancienne maquisarde qui avait participé. Non. Malika, quelque chose. Celle à qui on a refusé une prise en charge pour avoir participé à la Ligue des droits de l'homme. Alors, je me souviens plus de ça. Et je me le reproche beaucoup, encore une fois. Bon. Est-ce qu'il y a eu le courage de. Malika Ouzgan, Thomas Gann, bon, c'est chez elle que la Ligue s'est créée, c'est chez elle qu'on s'était réunis. Elle est toujours vivante, heureusement. Donc, à partir de 80, la question majeure est devenue visible. Elle a acquis la notoriété sur la publique, sur la place publique, évidemment dans les régions en Kabylie, bien entendu, mais aussi
Ça, on se l'est aperçu plus tard. Un peu partout dans les régions belgophones d'Algérie et au-delà. On a une grande surprise, c'était la Libye de ces dernières années. Finalement, les Libyens, les Berbères libyens ont suivi pas à pas tout ce qui s'est passé en Kabylie les années 80 et après. Le Maroc, bien sûr, notre ami Demnati en a parlé. Malgré la séparation des militants pendant des années, finalement, l'information passait quand même et une sorte de symbiose s'est installée, même si il n'y avait pas de rencontre organique, ça passait, le courant, l'information passait. Donc, on peut dire que le mouvement de 80 a aidé à l'émergence d'autres mouvements berbères en Algérie. Et ailleurs. Bon, mais pour répondre à la question du départ, je vais peut-être terminer sur cela, et puis on pourra en débattre, bien entendu. Chacun de nous a une analyse. Est-ce que la question Amazigh est entrée dans le projet de construction nationale? Je crois qu'on peut dire que non, pas encore. Le pouvoir est encore en train de tergiverser, de ruser, de manipuler. Il a cédé un tout petit peu. Bon, c'est pourquoi d'ailleurs on peut périodiser le mouvement culturel. De grandes tendances dont j'ai parlé brièvement, il y a la période de la clandestinité et la période que j'appellerais de relative tolérance, parce que le mouvement était important, le pouvoir, ou les pouvoirs ne pouvaient pas ignorer. Néanmoins, il n'y a pas encore de réponse sincère, définitive, de prise en charge, comme disent les enseignants d'Amazigh, tous les linguistes, de prise en charge de la question Amazigh. À ce jour, elle n'est pas prise en charge. Donc, pour reprendre un petit peu les slogans des jeunes manifestants, le combat continue. Je vous remercie. Merci, Saïd, Touman. Je passe la parole Ibrahim Salhi. Je signale que Ibrahim Salhi est professeur d'anthropologie et de sociologie à l'université de Tizi Ouzou. Depuis 1979, j'ai beaucoup appris de ses deux thèses. La première soutenue en 1979 et la deuxième en 2004. Voilà. Et son dernier né, c'est Algérie, citoyenneté, identité, publié chez Hachem. Merci beaucoup. Venant à la fin du panel, vous comprendrez que ça vous pose quelques problèmes pour cadrer ma communication. Mais simplement, puisque on a évoqué des dates, on a évoqué des moments de contestation. Moi, il me semble qu'il faudrait aussi ajouter les contextes et les univers des acteurs aussi pour avoir une chance de comprendre un peu dans leurs nuances les différentes contestations autour de cette question et comment aussi cette question, dans différents contextes, va jouer un rôle de polarisation et d'autres questions, et notamment la question des libertés démocratiques, la question des libertés politiques, qui ne prenait pas place de la même façon sans doute à différents moments, mais qui me paraissent, si vous voulez, intéressante à analyser. Disons cela,
souvent à la fois dans des rencontres, dans des commémorations, etc. On lit souvent comme ça des dates 1949-1980, 2001, on zappe d'ailleurs 1994-1995. Il y a, en ce qui concerne cette question, une espèce de construction linéaire de l'histoire. C'est-à-dire, il y aurait un moment fondateur qui serait 1949, il l'est, oui, d'une certaine façon. Mais ensuite, évidemment, les choses vont se dérouler comme ça jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas historien, mais je sais que l'histoire n'est pas un segment comme ça. Ça ne se déroule pas de façon linéaire. Il y a des ruptures, il y a des bifurcations, il y a des changements et il y a des reconstructions qui se font chemin faisant. La perception que nous avons aujourd'hui de 1949 est différente selon la génération à laquelle on appartient. Si je prends la mienne, c'est celle qui est la plus proche des acteurs du mouvement national, auxquels il faut rendre un hommage, ce sont des acteurs qui ont été aussi des passeurs. Est-ce que les choses se sont passées de la même façon par la suite, notamment, si vous voulez, après l'indépendance, est-ce qu'il y a les conditions étaient, si vous voulez, réunir pour avoir des générations et des générations de passeurs en même temps. Je crois que en ce qui concerne cette question, nous avons 1949, très rapidement, je pense qu'on en a parlé dans les détails, etc. C'est un moment important de mon point de vue, de deux façons. D'abord, il révèle quelque chose qui a été évoqué, c'est déjà une construction substantielle du modèle ethno-religieux de l'appartenance et de la citoyenneté qui est déjà, si vous voulez, mis en place, avec évidemment un aspect qui est important, c'est qu'en pointillé se décline aussi la construction politique qui est portée par le noyau le plus important, le mouvement le plus important dans le mouvement national, c'est-à-dire le PPA-MTLD, c'est-à-dire un jacobinisme réellement affirmé, et en même temps une prise en charge d'un paradis ethno-religieux qu'il a hérité notamment des ulama réformistes, mais qui va parcourir tout le mouvement national. Ça me paraît être un aspect qui est très important. Mais je voudrais tout de même nuancer une chose par rapport à ce que j'ai entendu. L'histoire de l'ethno-religieux, de la définition de l'Algérien comme étant exclusivement arabe et musulman, il est aussi, il a été déjà institué par la colonisation, puisque la colonisation a toujours désigné l'Algérien comme l'Algérien musulman. Et donc, la colonisation a joué un rôle d'instituant, si vous voulez, de ce type d'appartenance. La colonisation qui se revendique de la modernité, mais en fait, il faut être clair, il s'agit d'une version, à mon avis, scandaleuse de la modernité. On ne peut pas être laïque ici et être sur un modèle ethno-religieux pour les autres et ailleurs. Donc, ce moment décline cela. La crise politique au sein du
PPA et MTLT, parce que je la lis comme ça, qui effectivement décline des choses extrêmement intéressantes. Je veux dire que ce texte nous interpelle aujourd'hui encore, parce qu'il casse précisément cette approche, ce paradigme ethno religieux, et ils posent les jalons d'une réflexion et d'une définition sur la citoyenneté, la nation qui est justement très ouverte. Et le deuxième élément qui va rebondir et qui va nous concerner pendant longtemps, c'est le syndrome de la sédition, le stigmate de la sédition. C'est-à-dire, est séditieux tout acteur qui s'écarte du modèle défini. Et ça va rebondir. Ça va rebondir parce que, en plus, je pense que pour réduire cette crise, on a eu recours, le stigmate, c'est berbériste et communiste. C'est-à-dire qu'être berbériste, c'est un élément stigmatisant. Être communiste, hein, aussi, un argument stigmatisant qui va ressortir jusqu'à des dates relativement récentes. Donc, ça, c'est important. Ensuite, évidemment, ce syndrome de la sédition est lié aussi à une localisation et à une territorialisation de la, du stigmate et de la sédition, c'est-à-dire principalement la Kabylie. Peut-être qu'on reviendra dans des débats sur cette question-là. C'est pour ça que bon, je pense qu'il faut situer à quel moment il faut parler de la revendication amazigh, en tout cas chez nous, et à quel moment il faut parler d'une revendication amazigh portée principalement par la Kabylie. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui va jouer. Alors, j'ai entendu parler tout à l'heure très rapidement de la rébellion du FFS en 63-64, et la rébellion du FFS, là aussi ce syndrome a joué, dans la mesure où il s'agissait d'une contestation amplement politique. Elle contestait le modèle qui était mis en place, mais elle a été gérée comme étant, elle a été localisée et clôturée sur un territoire qui est la Kabylie, où on a fait jouer le syndrome de la sédition, etc. Et on a légitimé ce syndrome-là, qui va rejaillir aussi. Donc voilà, si vous voulez, ce qui est démonstratif, à mon avis, ce qui est intéressant, donc il y a des lectures possibles. Cela dépend comment on donne sens à des moments, à des contestations. Après, on arrive sur les contextes. Le contexte de 49, celui de 62, 63, 64 et celui de 1980 ne sont pas du tout des contextes semblables. Les acteurs ont complètement, par exemple en 80, les acteurs sont des acteurs qui viennent d'horizons différents, qui ne viennent pas simplement d'ailleurs d'Alger, etc. Il y a des acteurs qui viennent avec des convictions politiques très très diversifiées. Je tiens à le souligner, 80 n'a pas été dans ses moments fondateurs à l'université. Parce que ça, c'est important, à l'université n'a pas été un mouvement unanimiste, etc. Ça a été un mouvement qui a été animé, c'était le terme qui a été posé à l'époque, c'est le terme qui a été utilisé à l'époque, dans le comité de l'université, le comité anti-répression de l'université. Il n'y avait pas, si vous voulez, cette volonté de se poser en direction du mouvement. Et à titre indicatif, mais à animer parce que il y avait, si vous voulez,
assemblées, des débats, des tensions qu'il fallait gérer. Et ce qui est intéressant, c'est que précisément, et ça c'est exemplaire, je tiens à le souligner, c'est exemplaire dans le sens où on a fabriqué de la convergence. Et quand il y a eu consensus sur l'essentiel, c'est-à-dire le point focal de cette revendication, qui était la reconnaissance de la langue berbère, de la diversité culturelle, c'était le point focal, mais qui aussi a polarisé autour la question des libertés démocratiques de façon générale, de liberté d'expression, etc. Et donc cela s'est fait par des élaborations, effectivement, par des acteurs dont les univers, si vous voulez, étaient des univers qui étaient en prise sur la modernité politique, mais en même temps, avec une convergence, effectivement, avec un travail qui était diffus pendant une vingtaine d'années, après 62. Un travail diffus qui a été, effectivement, il y avait l'enseignement de Mouloud Mahmri, il y avait la radio, il y avait la chaîne 2, qui était réduite à l'époque, en termes d'émissions, me semble-t-il, à une dizaine d'heures à peine. Alors pourtant, et puis bon, dans les émissions, je veux dire, les animateurs ne venaient pas au micro pour appeler à la révolution. Pourtant, c'était vécu, capté, les émissions de la chaîne 2, etc., c'était un repère identitaire fondamental. La chanson, il y avait aussi, si vous voulez, tout ce travail-là diffus qui se faisait. C'est pour ça que quand ça explose en 1980, c'est-à-dire quand on arrive à cette contestation qui prend de la visibilité. En fait, il y a eu un jour dans ces 8 jours ou ces 10 jours de contestation dans les institutions, c'est-à-dire bon, à l'université, etc. Il y a un jour qui est un jour de basculement. C'est ce jour qui révèle exactement l'état de la mobilisation, de l'engagement de la Kabylie. Je parle de la Kabylie, probablement aussi Alger, dans les milieux étudiantins, etc. C'est le 16 avril 1980, c'est-à-dire quand une grève, il y a eu un appel à une grève générale, ce qui était tout à fait inédit. Ouais, j'ai des souvenirs très clairs là-dessus, parce que j'étais là-dedans aussi. Je me rappelle que tout le monde se tenait le ventre, parce qu'on ne savait pas très bien si ça allait embrayer ou pas. Personne n'avait une certitude. Il y avait un gros travail qui a été fait par les étudiants qui faisaient, si vous voulez, qui articulaient, qui faisaient le va-et-vient entre l'université, les villages, les entreprises elles-mêmes étaient... notamment le LIEM, la Sonitext en particulier. Donc on savait qu'il y avait tout ce travail qui se faisait. Il y avait toute cette articulation qui se faisait. Mais personne n'était sûr, jusqu'à cette date, que la Kabylie allait basculer de façon massive. C'est ce qui s'est fait. Je crois que c'est le moment le plus important. C'est-à-dire qu'on parle souvent du 20 avril, qui est le jour de la répression physique. On ne parle pas de ce moment-là, de ce 16 avril, qui est un moment où, effectivement, se révèle le potentiel populaire et les convergences, si vous voulez, entre ce potentiel populaire et tous les comités qui étaient au niveau des entreprises de l'université et de l'hôpital. Et donc, le dernier point sur ce mouvement de 80, il y a encore beaucoup de choses probablement à dire, c'est que bon, c'est un mouvement qui n'a pas connu d'affrontement
d'émeutes, comme on dit, systématiques. Il y en a eu quelques-unes, notamment bon, il y a eu celle d'Amizur, la plus célèbre. Il y a eu quelques escarmouches, mais en général, les lycées étaient occupés, les centres de formation professionnelle étaient occupés, l'université était occupée, les entreprises étaient occupées, et tout cet encadrement veillait à ce que les choses restent à ce stade-là, restent pacifiques. Alors, il y a eu 4 jours d'émeutes réactionnelles après le 20 avril. C'était le 20, 21, 22, 23, le 24. Les choses sont retombées, les choses ont repris par la suite. Une fois que l'université a été réouverte, etc., bon, il y a eu reconstitution. Reconstitution des comités. Ce qu'enseigne 80 principalement, c'est que, son articulation, par exemple, avec 49, c'est que, comme en 1949, 1980 bouscule et remet en question le modèle de l'appartenance, le modèle de la citoyenneté passive. Qui a été mis en œuvre. C'est quelque chose, si vous voulez, qui est commun. La deuxième chose, et ça c'est très important, c'est que la question de la langue a été centrale dans la contestation de 80. Il n'y a pas eu, si vous voulez, d'imbrication, d'hybridation, par exemple, avec des questions sociales, etc. Je voudrais donner simplement un exemple. Les comités dans les entreprises, au niveau de Ragnarda, au niveau notamment de l'UNIA, il y avait des milliers de travailleurs qui avaient des problèmes, professionnels, sociaux, etc. Et quand la question leur a été posée, ils ont bloqué, ils ont fait une grève. Quand le représentant de l'UGTA s'est présenté à Dragnarda pour dialoguer avec les comités qui étaient en grève, qui dirigeaient ce mouvement-là, il leur a tout de suite posé la question, oui, ben, vous avez besoin de quoi? Est-ce que vous demandez une augmentation de salaire? Est-ce que la réponse a été non? Et il y a eu tout de suite après, bon, les trucs existants, le communiqué existe, et tout de suite après, une déclaration. Ces travailleurs disent que nous, ce qui est revendiqué, c'est la reconnaissance de la question à mesure et pas plus. Donc ça, si vous voulez, c'est important. Mais là, il faut se référer aussi au contexte de l'époque. C'est trop long. Je reviendrai peut-être, si vous voulez bien, dans les débats pour expliciter cela. C'est le contexte qui explique cela, un contexte de modernisation, un contexte où il y avait de l'intégration sociale par le travail, par l'accès à l'école, etc. Et où donc, avec une frustration en ce qui concerne, si vous voulez, à la fois l'aspect identitaire, mais à la fois aussi la question des libertés. Alors la question des libertés démocratiques, comment elle a été articulée? Bon, je pense qu'au sein du comité anti-répression, les discussions ont été. Il y a eu des discussions là-dessus. Est-ce qu'il fallait articuler ou pas? Je pense qu'il y a eu un consensus, il y a eu une convergence pour effectivement mettre ça comme deuxième ou troisième point. Donc, à l'échelle des 3 revendications essentielles qui étaient posées. On arrive maintenant à 2001, qui est une question quand même plus récente. 2001, on lit pas mal de choses là-dessus. 2001, de mon point de vue, n'est pas... principalement articulé sur cette revendication. La question de la langue
à la reconnaissance de la langue. D'abord, va intervenir très tardivement dans la formulation. Ce n'était pas les premières semaines où cette question a été posée. Ensuite, elle sera posée à l'intérieur d'un ensemble de revendications qui sont essentiellement de type social ou de type principalement politique. Simplement, évidemment, la question de la présence formelle de la revendication, je crois, ne permet pas de comprendre quelque chose qui est beaucoup plus important, qu'habillé en tout cas, c'est que nous sommes en 2001, et en 2001, les effets cumulés de l'après-80, Saïd Touman a parlé de prise de visibilité, c'est davantage que de la prise de visibilité. C'est qu'après-80, on commençait à se construire des symboles, des repères dans la société. C'est-à-dire que, les choses, il n'y a pas eu 1980, et puis après il y a eu 2001, et pendant tout ce temps-là, il ne s'est rien passé. Il s'est passé énormément de choses. Foisonnement, après l'ouverture de 88, énormément d'associations de type culturel pour l'enseignement de Tamazir, etc. Donc, la question est socialisée. C'est-à-dire que la question est... La société est déjà travaillée par, si vous voulez, cette question. Et il y a une réappropriation réelle, empirique, concrète de l'identité, de la langue. Et que donc, si vous voulez, en 2001, je vais dire un mot sur ce qu'on zappe généralement, par la grève du cartable. En 2001, ces ressorts existent. Le ressort identitaire fonctionne. Fonctionne parce qu'il existe, si vous voulez, dans la société. Alors, en plus, les premiers acteurs à investir la rue, et on ne leur rend pas, à mon sens, assez hommage, ou on n'en parle pas beaucoup, sont les lycéens. Moi, j'ai suivi très concrètement, à l'échelle de la wilaya de Tizi Ouzou, toute la période allant du 19 avril, quand on a appris l'assassinat du jeune Massinissa dans les locaux de la gendarmerie, du 19 jusqu'à la fin du mois d'avril, début du mois de mai. Ce sont les lycéens qui sont sortis dans les rues. Quand les lycéens sont sortis dans les rues, c'était un mouvement un peu bricolé, c'était un mouvement, les lycéens n'avaient pas les capacités organisationnelles, donc souvent ça se terminait un peu en queue de poisson, jamais en émeute. Les revendications qui étaient portées, et moi j'en témoigne, il y a suffisamment d'acteurs d'ailleurs, pour les lycéens qui sont aujourd'hui, des adultes qui peuvent en témoigner, le point focal, ce qui a remué les jeunes, particulièrement au départ, c'est un élément qui est le fruit d'un contexte, c'est l'assassinat en lui-même, mais qui en est en 2001. Et en 2001, il y a de la décennie 90, passé. Et la décennie 90, au-delà de 1992, nous sommes dans une guerre interne féroce, meurtrière, à l'initiative, au départ de l'islamisme radical, et la gestion de la société a été une gestion sécuritaire. Le réflexe sécuritaire a pris le dessus sur tout le reste. Bon, on est dans une situation de guerre, effectivement. Alors, on peut discuter de ça. Là, en tout cas,
ont légitimé la chose de cette façon-là. Mais si vous voulez, au bout de 10 années, d'une violence inouïe, alors on l'oublie souvent, on zappe souvent. C'est-à-dire quand on parle aujourd'hui de 2001, quand on parle du début de ce siècle, souvent, en tout cas c'est l'impression que j'ai, on oublie que quelque part, il y a eu une société traumatisée par la violence, et une double violence. La première est à proprement parler physique, militaire, etc. La seconde, c'est l'écroulement. C'est l'écroulement de l'État-providence, de l'économie administrée, et en 1993-94, et le plan d'ajustement structurel qui a mis à la porte des milliers de travailleurs et qui entame, si vous voulez, une précarisation de secteurs très larges, si vous voulez, dans la société, et qui rétrécit les horizons en termes d'emploi, etc. Et donc, au total, si vous voulez, ce climat-là, il faut le prendre en considération, comme il faut prendre en considération ça, s'impatienter. Cet aspect me paraît très, très important. Ça va rejaillir ensuite sur la nature même de ce mouvement. Il y a quelque chose de beaucoup plus important, à mon avis, et qu'on vit encore, c'est que la décennie 90 est une décennie qui va socialiser un réflexe dans le rapport État-société. L'islamisme armé a institué un rapport qui consiste, si vous voulez, à recourir aux armes, donc à la force physique, pour atteindre un objectif face à l'État. C'est-à-dire, en fait, un rapport de force nu, sans la seule médiation, c'est la mitraillette. Et ce n'est pas un facteur qui peut... On ne peut pas tenir ça pour insignifiant par la suite. Les jeunes qui sortent dans les rues en 2001 sont des jeunes qui sont nés en 84, 85, 86. Et donc, qui ont passé leur adolescence, leur début de leur jeunesse ou de leur âge adulte, dans un climat de violence et d'affrontement inouï. Mais cela ne signifie pas que, si vous voulez, qu'on a fabriqué des jeunes violents. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, en réalité, il y a... Ce réflexe-là va rebondir. Il va rebondir parce que de l'autre côté, par le haut aussi, il y a, si vous voulez, cette tendance au recours à la coercition ou à la répression systématique. C'est-à-dire que, en fait, le problème qui se pose dans ces années-là, c'est le problème des médiations qui ont été pulvérisées par la fin de la décennie 90. De type politique, le reflux des partis politiques. Alors bon, certains disent, oui, c'est parti, on déserté. Bon, très bien, est-ce que la guerre est un bon... est-ce que des situations de guerre sont réellement des contextes favorables pour des processus de démocratisation? À mon avis, non. Reflux. Les associations qui sont créées par milliers sont mises en veille. Plus, naturellement, vous avez une espèce d'inertie dans la production des cadres juridiques qui permettent, si vous voulez, de créer légalement des associations, des syndicats autonomes, etc. C'est-à-dire que, bon,
même par le haut, si vous voulez, bon, on met une dose, si vous voulez, de coercition qui fait que nous sommes, pour toutes ces raisons-là, nous sommes dans une situation pratiquement de vacuité. Et c'est ce qui explique, je schématise, hein, je ne dis pas les choses dans le détail, c'est ce qui explique que, une fois passé la dizaine, la douzaine de jours, et bon, où on a vu les lycéens sortir dans une ambiance très sympathique. Ils ont bricolé les choses, ils sont organisés comme ils ont pu. Mais je pense, pour avoir bien écouté, en tout cas à cette époque-là, les lycéens, souvent, ils ont été écœurés par cette nudité de la violence. Et ça a touché un jeune comme eux, à un moment de craquellement, c'est-à-dire à un moment où les jeunes sentaient très bien que les horizons étaient bouchés. Et que donc, par conséquent, en plus d'horizons bouchés, c'est-à-dire d'angoisse, d'absence de ces sécurités-là, il y a en plus cette espèce de geste d'écrasement qui les a, à mon avis, soulevé. Alors restent les cadres. Je viens d'expliquer la vacuité, cette décennie de violence, etc. Les cadres, au départ, ce sont principalement les comités de village. Et il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a rien d'étonnant. Les comités de village ont toujours existé. Bon, même s'ils ont été occultés pendant toute la période du parti unique, etc., mais ça, c'est différentiel, mais ça a existé. Et c'est à partir de 80 leur insuffler une autre dynamique. Après 80, et bon, c'était un peu plus visible. Dans les années 90, ça s'est remis en place de différentes façons. Parfois, c'est Tajmat qui s'institue comme ça. Parfois, ça prend le nom de comité. Parfois, c'est sous le chapeau d'association sociale du village. Donc, ces ressorts étaient disponibles. Ces ressorts sans rester disponibles. Et donc, il y a, si vous voulez, face à une hécatombe et face à une situation périlleuse, qui ont gâché la vie des individus, il y a eu cette réaction. Est né ensuite, je prends 5 minutes et je conclue, est né ensuite quelque chose qui pose des questions. Ben, ces comités sont fédérés. Le premier, celui de Benidouala, c'était comité... comité coordination des villages de la Daïra de Benidouala. Et ensuite, sont nés aussi des contacts entre villages, et ça on le connaît. Hein. Celui qui connaît bien la Kabylie sait très bien qu'il y a des moments où les villages se concertent, ce réflexe existe. Et puis, vers le 13 mai, il y a une réunion qui s'est tenue à la maison de la culture de la Val-Zirata. C'était des comités de village. Et qui se posaient la question. La question du cadre se posait. Et là-dessus a été lâchée l'histoire du... Oui, bon, ben... Parce que ça va être la coordination de l'arjuna. C'est un terme qu'on utilise, l'arjuna. Un truc d'identification territoriale, etc. Qui est risqué. Et le lendemain, c'était dans le matin et dans Liberté, il y avait ça.
le Arsh de Machin Inni. Le surnom de Mass a augmenté. 4 jours après, on l'a eu à la une. Les Arsh de Kabylie. Alors évidemment, les Arsh, ça veut dire les tribus. Pourquoi des acteurs ont... Après, ça a été élaboré. Hein, c'est la coordination des Arsh, etc. Pour la région de ce qu'on appelle la Grande Kabylie. Je veux souligner une chose. Béjaïa, ça s'est passé autrement. C'était le comité populaire de la wilaya de Béjaïa qui a été créé par des syndicalistes, des acteurs politiques, des acteurs engagés, etc., sur une plateforme qui était une plateforme donc élaborée. Alors, bon, je passe sur les détails, et puis à partir de là, le mouvement des Arches, etc. Est-ce que le Arsh réellement des tribus et, moi je dis que c'est faux. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, historiquement, et on le sait, la vitalité de l'organisation sociale kabyle, c'est la vitalité de ces villages. Et la tribu intervient dans les situations. Par exemple, elle est intervenue dans les différentes insurrections, etc. Mais de façon occasionnelle et pas décisive. Ce n'est pas une instance suprême avec une permanence. Ensuite, il y a un troisième point. Le Senatus Consulte de 1863, celui de 1865, la loi Varnier de 1881 a mis en pièces l'organisation, cette organisation-là, la création des douars, des trucs, etc. Bon, donc il y a un flot qui va, si vous voulez, se créer là-dessus. Ensuite, il y a eu la commune, etc. Donc on aurait beaucoup de difficultés à réellement démontrer empiriquement l'existence, si vous voulez, du Arsh empiriquement. Et historiquement, si vous voulez, à partir de la colonisation. Mais alors, c'est quoi? À partir de la mi-mai, ce sont les Arches de Kabylie. C'est un commandement qui se crée sur cette base-là. D'accord. Alors, je vais conclure, peut-être dans le débat on reviendra là-dessus. Je pense que cette forme qui s'accompagne d'un fonctionnement basé sur l'unanimité, l'exclusion des diversités en termes d'expression, l'enfermement aussi, dont vous le connaissez. Bon, je pose des revendications, mais ces revendications ne sont pas... je n'écoutais pas. C'est frontal, c'est très frontal. Vous le savez très bien, puisque nous avons avec nous des acteurs du mouvement national, ils savent très bien qu'en politique, que dans les conflits, tout est dans la résolution des conflits. Tout est dans la négociation. La négociation est, par définition, si vous voulez, un des principes citoyens. Donc, obligé de négocier. Je n'en dis pas plus. Alors, je vais vous donner 2 choses qui me paraissent intéressantes pour revenir de 2001 remonter à 49. Il est possible que vous vous disiez, il dit Jean, qu'il déconnecte. Ceux d'entre vous qui ont vécu ou qui ont suivi à la télévision les images de la soirée du 14 juin 2001. Rappelez-vous, alors il y a l'image, il y a le commentaire. Alors l'image montre cette Hadji en flamme, etc. Oui,
La phrase de la fin était intéressante. Et puis il montre des foules qui arrivent, c'est Ralsu, le premier affrontement, machin. Et puis, il montre ces images d'Alger en flammes. Et puis, un peu tout ce monde-là qui refluait, qui partait. Et quel était le commentaire? Ils sont venus, et les Arabes sont, après machin et tout, les Arabes sont rentrés chez eux. C'est un stigmate. D'autre part, dans tout ce qui a été posé comme problème, avec des questions sociales, politiques, etc., bon, ça a tourné sur 2 ans. La première chose, la première réponse, c'est la reconnaissance de Tamazight comme langue nationale. Ce qui est le bienvenu, évidemment. Mais en même temps, si vous voulez, l'ampleur de la contestation. L'ampleur de la contestation, qui, je comprends, il y a eu des trucs par ailleurs, et tel que, bon, elle n'est d'abord pas réductible à cela, mais aussi on voulait la réduire à cela. Le Hache, plus, bon, ces tribus se sont révoltées, et vous le savez très bien, pour les Algériens, la Roushia, c'est quelque chose qui est connoté péjorativement. Hein. C'est Hache qui nous ont embêtés, bon, ben, on va leur donner ce que... Alors, il y a cette espèce de relocalisation sur un coup. Sur un territoire. Moi, je pense que c'est l'image renversée de la réaction du PPA-MTLD et de sa direction en 1949. Sauf que là, on ne pouvait pas, de façon nue et brutale, si vous voulez utiliser le truc du berbérisme, du machin, du régionalisme, etc. Bon, d'une certaine façon, et avec les médias, avec un peu tout ce qui se tissait autour de ça, je crois que finalement l'image, si vous voulez, a été confectionnée. Je pense que... Voilà, j'ai terminé, vous m'excusez, j'ai été... Donc, c'est très intéressant, et pour revenir juste à la question des générations, il serait intéressant de faire une comparaison entre Idir Louatani, l'Algérie libre vivra, le document de Yacourel, les années 80, et la plateforme d'être simple, 2001. Je passe la parole à la salle. Donc, on a 3/4 d'heure pour en débattre. Voilà. Juste une petite précision, tout à l'heure M. Benoun a parlé évidemment de 49, puis après 80, mais entre temps, juste une question, pourquoi avoir éludé la Gerwi Maziron, qui s'appelait l'Académie Berbère, et qui n'était pas quelque chose qui était anodin, parce qu'elle a vraiment fonctionné d'une manière, je vais dire, clandestine, mais en même temps transparente, parce que, étant acteur aussi, on allait dans les cafés, on organisait des galas, on envoyait l'alphabet dans les écoles, on prenait même des risques de prendre des documents avec nous à la douane, etc., pour dire comme quoi elle était inconsciente. Bon, j'avais 19 ans, je veux dire. Mais en tous les cas, cette dimension, et même de Tamsamelouch aussi, où on voyait des affiches, Kabyle, berbère de Kabylie,
Et pour relayer ça aussi, alors il faut citer aussi Hanouz, dont on ne parle jamais, c'est un des responsables, on parle toujours de Ben Saoud, qui était pour moi, en tous les cas, assez contestable, contesté par la fin, il me semblait, parce que vraiment c'était pratiquement parfois du racisme vis-à-vis des Arabes. Et d'ailleurs, avec quel est ses écrits. Et puis, je voulais juste terminer pour dire que aujourd'hui, malheureusement, c'est qu'on ne parle pas de l'avenir de la culture berbère. Et ça, ça manque un peu peut-être dans le débat, parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans la Kabylie-Kabyle. Et ça m'agace, parce qu'à l'Académie berbère, à l'époque, on appelait pompeusement l'Académie berbère, mais enfin. En tous les cas, c'était plus large que ça. Ça allait effectivement d'île de Siwa jusqu'à l'Atlantique, etc. Et donc, ça, cette dimension-là, il faudrait que les arabophones, il y en a ici dans la salle, et qui, pour moi, c'est très important qu'ils puissent apporter cette culture originelle. Voilà. Mais donc, je pose la question. Beaucoup de choses à dire. Merci. Selma, Boukir. Je ne sais pas si... Après, c'est Ben. Assur donc je me présente. C'est important, c'est surtout une question pour M. Salhi. Enfin, ça va être une question, une observation, une question après. Donc, je me présente. Ancienne militante d'un syndicat autonome en Algérie, notamment en Kabylie, dans la période que vous avez évoquée, notamment de 2001. Qui me tient beaucoup à cœur, et en plus, j'étais un des membres fondateurs d'un comité, d'un de ces comités à Bougie, justement, que vous avez très bien souligné, mais en survolant, c'est vrai que la différence était très très importante par rapport à l'encadrement des événements de Kabylie, enfin, c'était vraiment un soutien pour les premiers émeutiers, ou du moins les premiers militants qui étaient les lycéens, ou du moins pour ma part, j'étais dans un établissement scolaire qui était un collège. Au début mai, parce qu'au départ c'était vraiment de l'observation, je pense que tout le monde était tellement scotché, tellement perturbé que c'était plus de l'observation et de l'encadrement pour, disons, pour limiter les dégâts. Donc contenir un peu tous ces élèves. Et donc l'encadrement a commencé par des militants entre eux, c'est-à-dire qui se connaissent, parce qu'on est dans des associations que vous avez évoquées tout à l'heure, des gens qui se connaissent auparavant, dans des syndicats autonomes. Donc c'est des coups de fil, enfin on se retrouve entre guillemets de manière très très informelle pour savoir un peu ce qu'on va faire, parce qu'on n'est pas les initiateurs, et puis on intervient sur des personnes qui n'étaient pas prêtes à mourir, hein, parce que c'était pas vrai non plus, c'était vraiment des gens qui avaient envie de vivre, mais qui n'avaient plus aucun moyen, donc nous on était là un petit peu perdus, et c'est vrai que je leur trouve cette différence très importante dans l'encadrement durant les événements de 2001. J'avais commencé à faire un travail de recherche à l'EHESS que j'ai, j'avoue, abandonné. Ma question pour vous, ça serait, qu'est-ce qui fait cette grande différence finalement entre ce choix, guillemets, d'organisation du mouvement que j'appelle le mouvement j'appelle absolument pas le mouvement des RH, parce qu'en effet pour moi c'est très péjoratif. Qu'est-ce qui fait cette différence de choix d'organisation entre la wilaya Nfkayef et la wilaya de Tizi Ouzou? Est-ce que c'est sociologique? Est-ce que c'est économique? Est-ce que c'est autre chose? C'est très important. Et ça serait très intéressant d'échanger éventuellement avec vous par la suite en aparté, si vous permettez. Merci. Bonjour. Je ne veux prendre la parole à personne. Mais en fait, j'ai une question qui est un peu peut-être complexe, peut-être en direction du temps long chez M. Hedgeless. En fait, elle est liée à la construction nationale. Particulier. En fait, je pense que la construction nationale, on a évoqué un peu les effets miroirs des constructions nationales, c'est-à-dire l'arabo-islamisme s'est construit, en fait, l'unicité, etc. Nous, en fait, le référent de la construction nationale, c'est l'État français national jacobin, okay, centralisé jacobin.
ce qu'on évoque tout le temps depuis notamment la crise berbériste, depuis même la naissance de l'étoile nord-africaine, parce qu'on ne le dit pas en 27 déjà, il y a eu ce débat, en fait, à l'intérieur de l'étoile nord-africaine. C'est en fait un modèle national qui soit un modèle national pluriel, au-delà du jacobinisme peut-être sur lequel on a polarisé notre construction nationale. Alors j'aimerais bien, est-ce qu'on touche du doigt cette question? Est-ce qu'on est capable de toucher du doigt cette question? Et comment on serait capable d'élaborer, en fait, un modèle national qui soit pluriel? Je m'excuse, peut-être, je sais que c'est peut-être compliqué comme question, mais je la pose en référence aussi, peut-être je ne le dis pas, mais en référence aussi à la radicalisation des postures qui vont apparaître, par exemple, aujourd'hui, il faut le dire, un mouvement, je vais le citer, le MAC, qui réclame, je ne sais pas, l'autonomie, je ne sais pas exactement dans son corpus idéologico-politique, mais qui réclame l'autodétermination, etc. Donc j'aimerais bien, en fait, voir comment on articule ce type de questions. Merci. Oui. En fait, on n'a pas beaucoup de temps, donc on prendra deux autres questions, puis on donnera la parole. D'abord, c'est vrai que... j'ai cru comprendre avant qu'il y ait des lois d'Agni, c'était Yidir et Tamran, mais d'après ce que tu as dit, j'ai compris que c'était un groupe qui signait Yidir et Tamran. Oui, voilà, donc c'est un pseudonyme de groupe, pas d'une personne. De trois personnes, voilà, oui, c'est bon à préciser, parce que c'est important. Ali, tu as fait remonter un petit peu la réticence au berbérisme, la peur du berbérisme, un petit peu, même à l'étoile nord-africaine. Je ne sais pas, d'abord, il faut se rappeler que à l'époque de la création de l'étoile nord-africaine, il y avait déjà dans les mémoires le soulèvement de Mokrani de 71, etc. Bon. Deuxièmement, je ne sais pas si tu as eu accès à cette revue importante qui a été éditée par la fac de droit à l'époque où il y avait Ahmed Mahiou comme patron de cette institution, qui avait une revue qui s'appelait « Revue de sciences politiques, juridiques, etc. ». Il y avait un numéro spécial consacré à l'étoile nord-africaine. Et dans ce numéro-là, il était, enfin, si mes souvenirs sont bons, on disait que pratiquement les fondateurs de l'étoile nord-africaine, c'était tous les Kabyles, et en particulier de l'Arwane Tiraten. Il a donné les noms des fondateurs, etc., et comme Sali, qui était à la CGT, ils l'ont appelé après, parce qu'ils se sont trouvés en Tarkabili avec un nom pareil, étoile noire africaine, il leur fallait un arabophone au moins. Des Kabyles, je ne crois pas qu'ils soient anti-berbères, ça m'étonnerait. Je ne sais pas. Il y en a. Mais à l'époque, non, surtout qu'à l'époque, ils étaient quand même marqués par l'idéologie communiste. On parle de rapport avec Ho Chi Minh, etc. Tout d'ailleurs, ce dont a parlé Brahim par la suite, on collait le nom de berbère au communisme, qu'on appelait berbéro-matérialiste du mouvement national, on appelait ça le berbéro-matérialisme, je pense que ça vient de là. Donc, et comme le communisme, je ne parle pas des communistes algériens, mais de l'idéologie communiste est pour la culture populaire dans son fondement. Donc, et ces gens qui étaient proches d'Ho Chi Minh, ça m'étonne qu'ils soient contre leur culture, je ne sais pas. Bon, ça c'est à clarifier. Quant à Saïd, tu avais dit que tu pensais que c'était un mouvement
En 80, c'était un mouvement, enfin le berbérisme, c'était un mouvement d'élite. J'ai plus de chance que toi parce que j'étais un petit peu dans l'autre milieu, j'étais à la radio. J'avais vite constaté le caractère populaire de cette prise de conscience de l'identité, déjà à travers le courrier que je recevais à l'époque, et en particulier à travers les sacs de lettres parvenues à la radio en 1977, lorsque la Commission nationale d'arabisation ou d'arabitisation, présidée par Hadjar, qui est toujours en service, avait voulu faire de la chaîne Kabyle la chaîne populaire. Chaîne populaire, ça veut dire enlever le Kabyle et mettre des chansons chabies, et parler en langue chabie provisoirement, en attendant, c'est-à-dire faire ça progressivement. Et là, le pouvoir a dû reculer sous le nombre de lettres qu'il avait reçues à l'époque. Ça leur faisait peur, j'étais là, je voyais la chose. Donc voilà, c'est ce truc populaire. Et le rôle de la radio dans cette prise de conscience a été très important. Parce qu'on rentrait dans des foyers sans y être invité. Mais je me rappelle quand même de la qualité du courrier. Et même la radio, on était à un moment où il y avait deux ailes qui s'étaient constituées. L'aile arabo-islamiste et l'aile berbériste, ils étaient toujours embêtés par le nombre de courriers qu'on recevait. Et d'ailleurs, mon courrier, moi, il le lisait tout le temps. Et plusieurs fois, on m'a enlevé des émissions à cause de mon courrier. Voilà. Merci, Ben. La parole est à moi. Bonsoir. C'est moi, là. Oui. Juste un petit élément de réflexion, si vous me le permettez. Très rapide. Je vais essayer d'être très rapide. Qui peut être en liaison avec quelque chose qui commence à se développer en France, puisqu'on entend parler de la nécessité de reconnaître la part arabo-orientale d'identité française. On a parlé dans les interventions, il est transparu, qu'il pouvait y avoir un rapport entre la prise de conscience sur la part de la vérité qui est dans notre identité et des calculs coloniaux. Or, on ne parle jamais du fait que l'arabité est une construction coloniale. Pourquoi l'arabité est une construction coloniale? Parce que pour faire face et pour casser l'Empire ottoman, il fallait soulever les populations autochtones et rompre le lien qui existait, qui était celui de l'islamité, et mettre en place l'identité arabe. Et par ricochet, cette construction qui est celle de l'Empire colonial va revenir à l'époque de la République coloniale par le biais de Chkib Khalil et influencer le mouvement national algérien. Donc l'arabité est une construction coloniale, c'est la France qui a imposé l'arabité. Et il faut parvenir, il me semble qu'il faut parvenir à déconstruire notre façon, la façon avec laquelle on a intériorisé toutes les problématiques qui sont liées à la construction nationale pour pouvoir reposer les termes du débat et identifier nos constituants, y compris la part de francité qu'il y a dans notre identité, pour apaiser un petit peu ces questions-là. Merci. Merci bien. Madame Donati a dit il y a quelques minutes qu'il était contre la dénomination du Maghreb Arabi, mais il fallait parler de l'Afrique du Nord. C'est très important. Ce n'est pas seulement pour des raisons politiques, mais aussi scientifiques. Revenez Gabriel Combs, qui n'a rien à voir d'un militant berbériste, a écrit un article. Comment le Maghreb Arabe, plutôt l'Afrique du Nord, est devenu le Maghreb Arabe. C'est très important. Donc les mots ont de l'importance. À vous entendre parler, pour moi, de toute façon, de la crise berbériste, comme si véritablement c'est une crise qui concerne qui nous concerne uniquement nous, berbères, etc. Pour moi, effectivement, il ne s'agit pas de crise berbériste, il s'agit de crise du mouvement national. C'est très important. Merci.
Pour moi, en tant que militant, en tant que Kabyle, s'il y a lieu de parler de Keris berbériste, c'est à partir de 1989. À ce jour, en fait, si on compare ce qui se passe, par exemple, en Kabylie actuellement et au Maroc, pour moi, je dirais que la Kabylie est un mouvement berbériste qui en est en crise. Première chose. Deuxième, je voudrais poser une question à M. Ajas. Moi, je me demande comment des gens comme vous, qui ont été les premiers à militer, à revendiquer Tamazir, et puis à partir de 1949, vous êtes complètement effacés. Et certains d'entre vous ont occupé des postes importants dans des partis politiques, que ce soit dans le PFS, le PRS, et vous-même vous avez été militant du PAPS. Comment se fait-il, d'une part, que vous arrivez à gérer la chose, vous dans les équipes des partis dans lesquels vous militez, etc. Et parfois, mais certains de ces partis politiques ont soutenu le pouvoir. Le PACS, entre autres, le soutien kérédique, etc. Je me demande comment vous arrivez à gérer la chose. D'autant plus que, et on sait très bien que le problème se posait. Et d'abord, on était compéri pendant la guerre d'Algérie. Ne serait-ce qu'à lire Fethi Dib. Autre dernière question, s'il vous plaît. Juste une minute. Une autre question. Madame, si vous n'avez pas parlé de la revendication de la langue arabe. Pendant les événements de 80, justement dans le rapport de synthèse du premier séminaire, il était question de l'arabe algérien. J'aimerais bien que vous nous expliquiez pourquoi. Autre chose, la différence entre l'Afghaz et Zizouzou, je crois que parce que à Béjaïa, il y a un groupe de militants syndicalistes qui sont très bien intégrés. Donc, oui. Pour M. Yannat, qui a posé la question sur le Yaraou Maziran, en fait, je n'ai pas parlé de 80. Je me suis arrêté à 63. Donc, je n'ai pas parlé. Pour la crise berbériste, j'ai toujours souligné, j'ai dit crise dite berbériste. J'ai écrit tout un texte pour.